un homme chrétien qui a lui-même porté la voix de notre patrie. Je suis à Kinshasa, je suis venu au deuil, je suis venu voir la famille passer ma famille. Et je suis ici aussi pour demander une enquête. J'étais passé cet avant-midi à la Monusco. Et nous allons aussi écrire aussi au gouvernement. Et nous allons vraiment tout faire pour que l'assassin et les commanditaires soient connus. C'est le plus important. À ce stade, vous avez demandé qu'il y ait des pays étrangers qui soient associés. Oui, parce que vous savez, on veut une enquête juste. Le président de la République lui-même l'a dit un jour qu'il ne faisait plus confiance à la justice. C'est pourquoi nous demandons que ce soit une enquête internationale. Au moins là, nous allons connaître qui ont tué Chériba. Merci. Moïse vient de terminer. Moïse a fait une déclaration. Une enquête indépendante qui va permettre de savoir en réalité qu'est-ce qui s'est passé. Toute la famille, les amis, nous attendons cette enquête. Qu'est-ce que vous attendez par enquête indépendante? Une enquête indépendante, c'est une enquête qui va être menée par des personnes compétentes. Je crois que ça devrait être une enquête qui associe des médecins légistes, mais aussi toutes les compétences qui peuvent nous permettre de savoir d'abord les circonstances de sa mort. Je crois qu'on ne peut pas accepter une situation comme ça en pleine ville, qu'un député national soit enlevé, qu'on le retrouve mort de façon qu'on ne peut pas expliquer cette mort. Je crois que nous avons besoin de savoir, avoir des détails, qu'est-ce qui s'est réellement passé. Je pense que si nous avons de bons médecins légistes, ils peuvent déjà nous dire quand est-ce qu'il était mort. Ils sont partis à demander qui est la Monusco, les États-Unis et consorts. Vous avez une idée? Je pense qu'on peut associer tout le monde, mais par principe, il faut avoir des médecins légistes compétents qui sont capables en fait, de faire une autopsie et déterminer la cause de la mort. Dernière question, dans votre communiqué, vous avez fait état d'une consternation. Merci. Thank you.